Salut à toutes, salut à tous, c'est RWATS22, on se retrouve aujourd'hui pour le 38ème épisode sur Mario Dream Team Bros. Allez, c'est parti, continuons. Ah oui, c'est vrai, je m'étais arrêté au château Cousinos parce que j'avais un petit peu EXP, ça tombe très bien. Donc, avant de faire le voyage, j'ai quelques informations à vous communiquer. Alors déjà, en premier lieu, je vais déjà baisser un peu la musique. Voilà. Alors, en premier lieu, sachez que la GDQ vient de se terminer et il y a pas loin de plus de 1 million de dollars qui a été récolté, ce qui est quand même une énorme somme en soi. Plus de 1 million, c'est énorme. Je crois même qu'ils en sont à même 1 million 15. Ils vont essayer d'atteindre 1 million 30 parce que en ce moment se déroule ce qu'ils appellent le bonus stream. Donc c'est des speedrunners qui arrivent et qui font... et qui montre quelques jeux en bonus. Il y a eu notamment un tournoi de Super Smash Bros. Melee en bonus, etc. Et là, ça va continuer, je pense, toute la semaine. Donc, si ça vous intéresse, ça se passe comme d'habitude sur le live de Speed Demo Archive. Vous tapez Speed Demo Archive sur Twitch. Et vous l'avez. Et puis, vous pourrez regarder ça. En tout cas, bravo à eux. Bravo aussi à Mister MV pour... pour ses commentaires, pour avoir restream en français. Et puis voilà, et puis 1 million c'est quelque chose et c'est bien pour la prévention contre le cancer. Voilà, une chose de fait. Deuxième chose, j'ai regardé les statistiques de la chaîne et nous avons officiellement dépassé les plus de 300 000 vues sur la chaîne. Ce qui est quand même quelque chose d'énorme. 300 000 vues c'est quand même quelque chose. Je ne m'y attendais pas. Merci beaucoup, merci à vous. Franchement, je ne sais même pas quoi dire. C'est quand même beaucoup de vues. La chaîne a été pas mal vue et ça me fait plaisir. J'espère en tout cas que ça va continuer ainsi. Et enfin, dernière chose que je voulais dire, sachez que Final Fantasy Lightning Returns va bientôt arriver chez nous en France. Sachez qu'il est déjà disponible au Japon, mais pas encore en France. J'espère que ça va être vite le cas. Normalement, je crois que c'est début février, il va arriver. Donc assez vite. Alors, pour cette occasion, sachez que je vais bien entendu le faire. Mais ce que je vous propose pour Final Fantasy Lightning Returns, c'est deux choses. Alors, soit... Merci, bon tant pis. Soit je fais, comme d'habitude, un play browse sur la chaîne. Alors vous me dites si ça vous intéresse. De toute façon, je vais faire un sondage dans lequel vous pourrez décider soit vous voulez que je fasse un play round sur la chaîne. Donc comme d'habitude, hein, je devrais terminer le jeu en entier. Enfin, faire le jeu complètement. Sans pour autant le terminer à 100%. Mais ça va être long, ça c'est sûr. Ou alors, ce que je fais, c'est que je propose de faire quelques lives sur le jeu. Je vais en faire quand même plusieurs parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer et j'essaierai d'en faire le plus possible. Mais les lives, ça sera une sorte de let's play. Donc en gros, je vais montrer des séquences de jeu, pas le jeu en entier. Et ça sera pas le jeu en entier vu que ça sera différent d'un play browse. Donc vous me direz si ça vous... vous me direz si ça... ce que vous voulez dans le sondage que je vais mettre en place... dès le début de la semaine, voilà. Comme ça, vous pourrez voter. Je mettrai le lien dans la description et vous voterez. Est-ce que vous voulez un play browse sur la chaîne ou vous voulez des sortes de live à la let's play, quoi. Enfin, comme un let's play, voilà. Vous me direz. Et puis, dans les mois qui viennent, ne vous en faites pas. Il y aura d'autres jeux qui vont arriver, notamment Donkey Kong Country Tropical Freeze. Vous en faites pas. Il sera bientôt sur la chaîne, mais c'est pas encore qu'il sort, donc un peu de patience. Bon allez, sur ce, revenons à nos moutons, hop, je augmente le son, allons-y. Non, là je peux pas passer là. Quoique, attends. Bien joué. Ah, attends. Maintenant. Non, pas comme ça. Voilà. Ah, d'accord.
Et en effet, vous avez été plusieurs à me le dire, on s'approche vraiment de la fin du jeu. Eh oui, mine de rien, hein. Non, là, je peux pas passer, non. Ça va être bientôt la fin de ce Play Wars qui aura quand même duré pas mal, qui aura duré pas mal de temps. Mais bon, on n'y est pas encore. On a encore pas mal de choses à faire. C'est pas encore tout à fait fini. J'oubliais que... Qui va vite, lui. Tant pis. Un super MP, parfait. 600 XP. Encore un niveau et je passerai en arc-en-ciel. Vous m'avez dit qu'il va falloir que je passerai en arc-en-ciel. Ne vous en faites pas, je vais passer en arc-en-ciel. Ça ne saurait tarder. Naro, voilà. Pièces. Là, je peux pas y accéder. Par là. Non, par là non plus. Ah! Ok. Hop. Oh no. Ah non, pas encore ça. Ah ouais, d'accord, tu te fous de moi. T'es sérieux là? Merde. Ah, je déteste ça. Ah, faut aller à gauche. Bon. Gauche. Gauche, gauche. Là. C'est bon. Non! Ah ouf! C'est bon, ça me l'a comptabilisé quand même. J'ai peur. Voilà. Mais. Bon. Ok, je vais pas appuyer sur B, je vais attendre d'être bien sur la plateforme. J'ai compris. Voilà. Ultra champi, oh, encore. Y a rien d'autre. Oups. Ok, bon, mais je vais revenir de l'autre côté alors. What? Ah mais il faut que... D'accord. Bon, je vais repasser carrément de l'autre côté. Voilà. Voilà. Mais...
Voilà, c'est bon. Impec. Fichtre. Pas grave. Ok. Et là, par là. Ben on va passer par le... Ah, le rond. Le rond bleu. Ok, par là. Tiens, je vais regarder les défis qu'il me reste à faire. Parce que j'en ai plein. J'ai pas mal de défis à réaliser. Ah oui, c'est vrai, j'en avais un avec la plante jette. Je vais essayer ça. J'ai raté. Bon, c'est pas grave. On s'en fout des pièces. Voilà, va y avoir la boule de feu. Bingo. Aïe. Bon bah tant pis. 47 points, c'est rien. Maintenant je me regagne à du 50 par tour, donc bon. Je me prends 47 dégâts, c'est pas grand chose en soi maintenant. Avant ça pouvait faire mal, maintenant ça n'a peu d'importance. Voilà, je suis déjà quasiment regen. Et là je suis fou là. Voilà, je suis fou là. C'est bon. Ah ah, là il y a eu un trou. On peut pas passer. J'arrive. J'arrive, t'inquiète pas. Ah bon. Ok. Tiens, je vais faire une attaque frère, je vais faire un petit canon bye bye. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Mario, Luigi, Mario, Mario, Luigi, Luigi. Je crois que j'ai trouvé. Ah bah, il est déjà mort. Plus 800, ok. Oh! J'ai pas vu ça. J'ai failli ne pas voir. C'est tout, y a rien d'autre? Ouais, y a rien d'autre. Non, non, non.
Visiblement, il n'y a rien d'autre. Pourtant, on doit... Attendez. Il doit forcément y avoir un truc parce que... Comment on fait pour atteindre cette pièce? Ouais, non. Je ne vois pas. Bon, c'est pas grave. Ok, on va passer par là. Merde, il y a l'initiative. Tant pis. Ok, OS, ça c'est fait. Ouh là là. Je n'aime point ces phases. Oh merde! Je l'ai pas vu. J'ai absolument pas vu la flamme. Ah! Bon, je vais y arriver cette fois-ci. Allez, croisons les doigts. Merde! Ah là là! Non, je vais pas y arriver, non. Je suis comme ça embarqué. Purée que j'étais cette phase. Oh là là, mais c'est sérieux là? La flamme qui m'attend exprès pour me troll. Non! Quoi? Ah. Oh là là, mais... Non. Voilà. Eh ben... Bon, ça valait le coup, c'est pour une pièce, donc pièce d'attaque, ça vaut forcément le coup. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, je ne sais pas ce que c'est, mais ok. Je suis passé par là? Je sais même pas. Ah! Ça, ça me ramène là. J'y étais. Dégage. Hors de ma vue, merci.
Voilà, ça dégage. Ouais, non, ça sert à rien cette téléportation. J'ai tout fait, donc là ça ramène là-bas. Ça c'est la croix, ok. Putain, je comprends rien. Attends, attends. Losange, losange. Là-bas. Parce que j'ai bien envie de... Oh non, faut que je me retape tout. Oh là là. Oh non, hein. Chier. Ah. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais couper. Et je vais essayer d'avoir la pièce d'attaque qui me manque là. Celle à droite. Ah, celle-là là. Parce que j'ai tout eu sinon. Ouais, j'ai tout eu. Hein. Parce que là, ça va là. Moi, ouais, j'ai tout eu. Bon, allez. Je vais essayer de la voir. Je vais aller dans cette salle-là à droite. Et je vous retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai trouvé par où. Ben, c'était tout bête en fait. À droite, ici, il y avait un chemin. Et ce chemin mène donc à cette fameuse pièce d'attaque qui me manquait. Voilà, juste ici. Là, voilà. Il fallait la trouver. Hein. Marteau de cristal. Ah oui, non, mais ça sert à rien. C'est trop fragile. De toute façon, dès que j'ai le rang arc-en-ciel. Je vais m'équiper en conséquence. Là-bas, va là-bas. Ok. Et on va avancer un peu plus. Ouais. Excusez-moi. Oui, mais non, faut que je passe de l'autre côté alors. Ah non, mais faut pas que je refasse. Oh, oh. C'est chiant ce château. J'ai oublié de sauter. Voilà. Ah, ok. Voilà, c'est bon. Eh ben, bon. Alors, hop, une autre pièce d'attaque. Je vais aller sauvegarder. Et après, on va aller sur cette machine volante. Donc, on dirait que c'est la même machine volante de Bowser. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça a sûrement un nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Comme ça au moins c'est fait, si jamais il m'arrive un problème, j'ai sauvegardé. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Nous pouvons enfin aller dans le monde onirique! Kamek est quelque part dans le monde onirique, retrouvons-le! Ah oui, bah oui, c'est vrai, faut aller dans le monde onirique, allons-y! Waouh! Oh, c'est lugubre! Ok, on peut aller à gauche et à droite. Oh putain! Y'a ici!
Ok, là, faut pas que je me loupe. Encore une chance. Oh l'enfoiré! Ah, ça va pas suffire. Il va se casser. Tu paries qu'il se casse? Ah, je m'en souvenais même plus de ça. Je vais pas réussir à m'en faire, hein. Non, non, il est pas mort. Il va se casser, tu vois. Ah non. Non. Pourquoi? Et là il va se casser. Histoire de bien me foutre de la haine. Oh je l'ai eu. Yes. Oh putain, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Oh, yes. 4000 XP. Oh my god. Waouh. Enfin, je l'ai eu. Oh, incroyable. Oh, la vache. Ah, ça fait plaisir, punaise. Enfin, quoi. Ah. C'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais peut-être pas dû les toucher. Mecha Koopa, d'accord. Ils vont se péter ou quoi? Putain, je comprends rien! Aïe! Mais... ils sont trop rapides! Ils sont trop rapides! Ok, Solo Magic. J'aurais dû faire autre chose, mais bon, c'est pas grave. Ah là là, putain. Ils sont chiants. Et j'ai plus de PM. Je peux faire une balle Wii Magic. Vas-y, hop, la baballe. Bon, logiquement il devrait être mort là. J'ai bien dit il devrait. 840 XP. Ah ben voilà. Ça y est, on a atteint le rang arc-en-ciel. Niveau 40. Et niveau arc-en-ciel. Rang arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ajoute un équipement pour équiper. Ah ça, ça pourrait m'être utile. Ça pourrait m'être grandement utile. Putain, mais il y a plein de trucs. Alors attends, attendez. Guérison rapide. Double effet des objets, restauration énergie en combat. Ouais. Mon tac frère ou l'imagie utilise à moitié des PV. Oh putain, ça c'est utile ça.
J'ai augmenté la puissance des coups de chanceur à 200%. LOL. C'est craqué. Fais augmenter votre puissance contre à 150. LOL. Fais augmenter. Putain, mais c'est craqué tout ça. J'ai envie de faire équipement plus 1. Laissez-moi réfléchir juste. Allez, je prends une minute à réfléchir. Équipement plus 1. Un round supplémentaire. Oh, cool. Alors, attends. Je peux encore choisir un rang supplémentaire. Ça pourrait être utile à Mario parce qu'il en a pas beaucoup, mais bon. Le XP, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je m'en fous de le XP. Ça pourrait m'être utile. Si je fais augmenter la puissance des coups chanceux à 200%, logiquement, peu importe mon taux de chance, s'il est à 200%, forcément, il va y avoir un coup critique. Enfin, un coup chanceux, quoi. Ça pourrait m'être grandement utile. Ça aussi, mais bon, je me soigne déjà assez avec les badges, donc j'arrive pas à me décider. Il va falloir pourtant là. Allez, vas-y. Ouais, oui. Je vais tenter. Ouais. Attendez, je vais mieux cadrer. On voit rien du tout. Voilà. Je vais te faire augmenter tes points de badge. Quoique, non, t'as pas besoin. T'as pas besoin. Plus là, ouais, la Vita. Trois, bien. Je prends. Ok. Alors, logiquement. Là, je devrais faire beaucoup de coups critiques. Enfin, de coups chanceux. On va voir si c'est le cas. Tiens. Voilà, Kamek. Voilà. Effectivement. Merde, par contre, j'ai plus que... C'est malin, ça. Meilleur 2. Ah ouais, j'ai compris, oui. Gant de maître, ouh, je vais adorer ça. Eh, mais j'y pense, maintenant je peux mettre de l'équipement en plus, au cas où. Bon, je mettrai plus tard. Pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin. Je vais juste utiliser du sirop. Mmh.
Aïe! Merde. Ah oui, c'est vrai que c'est cool. Ouais, j'ai compris. À chaque fois, c'est inversé. Quand ils sont, on va dire, électrifiés comme ça, ça veut dire que leurs commandes sont inversées. Ok. Putain. Donc là, il va sauter. Voilà. Donc là, c'est commande normale. J'ai compris. Luigi a pas encore up, mais il s'en rapproche. Merde. 52. Aïe. Merde. Putain, 87. Ouais, ça dégage. Ouf, 1464 XP, putain, tu t'en fais là le XP. Ouais, là je peux rien faire. Bon bah go par là. Oh, un autre mécanisme Wii Magic. Si vous avez des questions, je pourrais vous éclairer. Bon, je vais me démerder. Les mains? Non? Oh, vas-y, je veux bien que tu m'éclaires alors. Quelque chose pourrait peut-être être fait dans le monde réel. Mmh. Ah, d'accord. C'est... Mais la gravité a disparu. Mario, peux-tu bouger? On dirait qu'il est juste possible de changer de direction avec le pad circulaire. Est-il possible de nager? Tu peux faire ça, Mario? Oui, en effet. Oh, une... Ah, je vais y arriver. Oh, une nage dans les airs, c'est fascinant. Ça peut sembler un peu bizarre, mais progressant comme ça. Bah, j'ai pas le choix, de toute façon. Et là, ouais.
Bon, eh ben, on va passer à droite. Voilà, à droite. Ah, et du coup, ouais, je suis toujours dans cette espèce de nuage. Ouais. Bon, on va progresser encore un peu dans ce monde onirique du Neo Bosverium, et après on s'arrêtera là. Bon là, il va falloir que je touche les pièces rouges, ouais. Ah ah. Mario, il faut tourner, je comprends, nous pouvons utiliser le sol. Appuyez sur le bouton A tout en poussant le pad circulaire vers le sol. D'accord. Et voilà, grâce à cela, il sera possible de sauter avec force. C'est par là. Au prochain point de sauvegarde, je m'arrêterai de toute façon. Est-ce que je suis un marteau onirique? Un marteau lumagique. Ouais, si, allez. Ça leur fera des dégâts quand même. Pas critique, mais ça leur fera des dégâts. Et level up pour Luigi, ok. Et aussi rang arc-en-ciel. Alors du coup, toi, direct équipement plus 1, oui. Du coup, toi... Mais les gars infligés, ça pourrait m'être utile. Ça pourrait m'être utile, frère, tranquille. Guérison rapide, bof, parce que j'ai déjà de quoi me soigner, donc... Oui, si. Je vais faire un corps d'acier, comme ça, ça sera parfait. 25% de moins, c'est toujours ça de prix. Putain, il a 300 de PV, quoi. J'ai augmenté un peu son attaque.
Ah, 2. J'aurais voulu 4, mais c'est pas grave. Je prends quand même. Aïe. Encore. Putain, mais... Ok. Non. Là, il commence à me saouler. Morceau oui, magique. Merde. Ah, ça me perturbe quand il change à chaque fois. Quand le XP est dément, 1160, c'est énorme. Un pec. Ouais, marteau lui magique, ça me semble bon. Ça a l'air de faire des dégâts critiques en plus. Voilà. 1008, c'est énorme l'expérience que tu te fais. Ok, on peut passer. Ah, ces monstres mécaniques qui me font chier eux. Débarrasser. Énorme le XP quoi. Merde. Ah tant pis. Oh bah c'est bon, ils sont tous morts. J'allais dire merde mais... Enfin j'ai dit merde mais c'est pas grave en fait. Un sirop miracle. J'ai bien fait de passer à gauche.
sorti. Il faut y aller doucement là. Y'a rien? Ah non, y'a rien. Et ok, je recommence de là. Ah non! Pas grave, j'ai ce que je voulais. Je l'ai eu, ça m'a la comptabilisé. Ok, there we go. Ça met nous ça? D'accord, je sais pas par où ça va ça. En tout cas, il a dit qu'il faudrait aller par là, donc allons-y. Voilà. Non, non, non. Non, 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 non. Non, Mario, non. Ah oui, non, mais d'accord, j'ai compris pourquoi il a fait ça. Ah bon, on va continuer, donc c'est par là où il faut aller. Allez. Enfin, qu'il faut aller par là. Oula, il y a deux là qui tuent. Ça ne rigole pas. Un saut. Pas un mur, ouais, allez. Ça va bien leur faire mal. Un mec est passé par là. On y arrive. Je suis désolé que l'épisode dure longtemps là, mais j'ai envie quand même d'avancer. Parfait, un champi miracle. Ils sont pas radins niveau objet, ça c'est la bonne nouvelle. Ah et d'accord, t'atterris après là, ok. Très bien. Bonjour. Comment? Vous osez vous prendre à moi? Je me laisserai sûrement pas faire. Faites vos prières. Ok, boss, eh ben on va faire Kamek. Et comme ça, après on s'arrêtera là. La revanche de Kamek, c'est parti. Ah ouais, alors, qu'est-ce que je vais te faire? Je vais te faire un mur Louis Magic. Merde, j'ai loupé.
Dommage. 539 quand même, il a pris. Je te vois. T'es à droite. Aïe. Ouais, t'étais à droite, mais je te vois. Ouais. En plus, il y a une indication pour montrer où tu es. Tiens, bouffe. 209 dans ta gueule. Et un petit 74. Alors, on faiblit. Rond, carré, rond, carré. J'ai rien compris. D'accord. Et comment je peux savoir lequel est... Enfin, lequel c'est, pardon. Oui, alors là, il va me falloir du coup du... Super sirop, même ultra sirop. Triangle, 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 triangle. J'ai même pas le temps de voir lequel est le bon. Oh la vache! Ok, no problemo. Et hop là, un petit coup de soin. Soin total, ça c'est fait. Mur Louis Magic. Tu vas bouffer, Kamek, tu vas bouffer. Tu vas bouffer, tu vas bouffer. Fais merde! Mais j'ai pas vu où il était. Ok, il est là. Il est au milieu. Il est là. Ok. Je vais repositionner un peu la caméra. Voilà. Promis, on termine ce combat et après, j'arrête cet épisode qui va durer au moins 1h30. Mon dieu. Mais enfin. Ouais. De toute façon, qu'importe, ça va tous les toucher. Mais je sais que c'est celui-là. Lui, voilà. C'est lui qu'il faut toucher. Voilà. Non, tu te fous de moi, zéro. Juste pour ça. Bon, c'est pas grave. Je vais m'enfuir dans un autre monde onirique. Je vous aurai la prochaine fois. Très bien. Il se peut que quelque chose ait changé dans le monde réel. Allons-y. Tout ça pour ça. J'avoue être terriblement déçu. Mais bon, c'est ainsi. Non, non, faut que je passe de l'autre côté. Ça, c'est pas où je viens. Après, on s'arrête. Donc par là. Oui, par là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde réel? Je veux savoir. La magie de Kamek s'est dissipée. D'accord. Ah ben on pourra progresser. On dirait que les passages entre les pièces ont retrouvé leur état normal. Bon, allons-y.
Eh ben voilà, on aura bien progressé pour cet épisode. Désolé qu'il soit aussi long. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour suivre nos aventures sur la chaîne KCG. Sur ce, portez-vous bien. N'oubliez pas de répondre au sondage. Et à la prochaine. Ciao, ciao.